baro biri ngai wala masali ala sayyidina muhammad wa sallim sallallahu alaihi wasallam mufa kirima mufa firima radio socio ntama kulo mutara ko wena radio socio mu radio socio fi kulo a ko ntoto maramini nanguina na minfi Rejo socio ma kere mara firi mara. Lagina jie birin. Fende na ndangeke birin bara ato, birin bara ame. Mine gana fende na mato. Mine gina ya gafe, bete gafe ma ame gafe ma. Mine gana mature na gafe ma. Mature. Mature. Mature yati. Awantanara Maturi Ntanara Mansur Nga Abari Nga Yat 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 Mansur Nga Ntanandogo Na Abari Nta Ntanangwe Mfi Lagina Nyama Biri Nga Name Basi Yafala Gane Biri Marame Mpanga Yifala Biri Nga Mfangu Irame Mufa Kirima Mufa Firima Namadi Mansur Mansur Duguruni City, Mansur Legisen, Mine and Angata, we are two. Paske Iture, Ntam Fancy Lagine and Nasi Lagine, Yati at Ilagine, Kan Lagineka, Wombin Lagineti, Mpangam will tea to half a lebe, Inaim Madina Fafi. Awa, follow faith to ma. Ha alasa won birin si da malogo na madin bara ta ko ile to mu se fala fe mene ha madi won nya ko no sono ma ture ma ba mai won ma madi de da ko no sono ma ture mu yi ba mai won madi se sa so to la gine ku sono ma ba fe won folo fe to ma an logo na ran salada won birin ala kenem ma Maturi, Fena and no Madi Mansu Soto. A colony yire ever gireg is a lag in end of a man. Ever gireg is lag in egg in end of a man. Mutan lagineka, punana, ala tenis fana. Mafalebe, boy sabin kindiaga, conantan yamu kindia colonaki, tamo faranane. Wana falebe. Ntamuwe marezo sosio mago. Noto kone wenu madi. Wena wale kirayama. Ika fe na anna fama ala nantakulu. Kwa ito famingiri ya fala mikitima. Yo maturi. Idi kanyi. Ima amadi kanyi. Futi force mara. Futi mara fai kirayana. Kawa yuwa mao wa asasi na uguri ila maida. Kwa ati ya muti nga midogo fui ya faka ubi atangi itamfaka hanya munu natu awa kana kinara madi nta madi dime dinara ama gine dogo de yoli gine mbesi ndi eta nisandara sofuti kwe force pima ana mare ya faka awa nntuli singe na nama awa unna mamfala febe maturi Sese madi mansur soto. Wallahi, billahi, tallahi maturi. Akolong ala ni dare. Wombili, ala nan wombili ndare. Ntala ala nan nagu. Mufirin kolo, mufirin, muke, firin kolo, musaran kolo. Menge ala nan wunda. Mbara madi tahu na alara. Mbara ge mbara hafe sui fanyira. Fefe asoto, mabame huma. Nana ala lagine di. Voilà la famille, vous venez d'entendre la maman de Mansour Le Guissin. Vous savez, cette affaire est vraiment sérieuse parce que au début, les gens pensaient que c'était du buzz. Mais là, on comprend que c'est pas le cas. Peut-être vous n'avez pas vu cette sortie de Maturi. Maturi a fait une sortie où
Elle a menacé, en tout cas, le jeune influenceur Mansour. Dans ces termes, elle dit à Mansour, comme ce dernier flottait avec elle au moment où son mari vivait, selon elle, Mansour, au fait, voulait d'elle, mais à l'époque, elle vivait avec son mari. Et après le décès de ce dernier, cela fait au moins 2 ans, je crois 3 ans, que Mansour ne parle plus de mariage entre eux. Et que pourtant, au moment où son mari vivait, Mansour voulait tellement d'elle que ce dernier voulait même que Oumma Touré se sépare avec son défunt mari, en tout cas pour se mettre avec lui, Mansour. Alors, selon Oumma Touré, cela fait maintenant 3 ans que Mansour, cela fait 3 ans depuis que son mari est décédé. Et ce silence radio du côté de Mansour, en tout cas à ce qui concerne Nehr Inion. Et elle a maintenant proféré des menaces contre Mansour en disant à ce dernier que si Mansour ne l'épouse pas, que Mansour n'a qu'à être certain qu'elle va enterrer le jeune influenceur. Et elle a juré que si Mansour ne fait pas les choses rapidement, en tout cas pour se mettre avec elle, et que la façon dont elle a enterré son défunt mari, c'est comme ça, elle va enterrer le jeune influenceur Mansour. Alors la famille, au fait, ce sont des menaces très très graves. Et aucun parent, en tout cas, en écoutant les menaces de Oumma Touré, aucun parent ne peut être indifférent aux menaces, en tout cas, que Oumma Touré a proférées contre le jeune. Et c'est pour ça que sa maman a décidé d'informer l'opinion nationale et internationale que si, en tout cas, quelque chose arriverait à son fils, elle prendrait Oumma Touré comme responsable. Parce que ce dernier a menacé son fils, le monde entier, tout le monde a vu et tout le monde a entendu ces menaces. Et que maintenant, même si son fils dit qu'il a mal à la tête, qu'elle aurait affaire avec elle. Et elle tiendrait Oumma Touré responsable, en tout cas, tout ce qui arriverait à Mansour. Et elle aussi, elle a, en tout cas, tenu à informer l'opinion nationale et internationale, et aussi prendre comme témoin l'opinion, en tout cas, concernant ces menaces, en tout cas, que Oumma Touré a proférées contre son fils. En tout cas, là, cette affaire est vraiment sérieuse. Comme je vous ai dit au départ, c'est vraiment sérieux. Parce que au début, beaucoup de personnes pensaient que c'était du buzz. Mais là, on a compris que ce n'était pas du tout un buzz. Alors, Matoury, je ne sais pas, c'est que peut-être le jeune aussi a murmuré dans les oreilles de Matoury. On ne sait pas si Mansour aurait promis le mariage, en tout cas à Oumma Touré. On ne sait pas, en tout cas, ce qui serait passé entre les deux. Mais nous tous, on a vu ces deux personnalités, parce qu'on peut dire maintenant ce sont des personnalités. On a vu ces deux personnalités publiques ensemble collaborer dans des vidéos. Et comme vous savez, les vidéos collages que le jeune influenceur fait sur sa page, on a tous vu leur collaboration. Et on se souvient aussi quand Mansour
et l'autre là, Sarah Messon, on fait un moment du buzz. On a vu encore là une sortie de Matouré à l'époque aussi, qui n'avait pas du tout fait cadeau à Mansour. Et là aussi, beaucoup de personnes ont pensé que c'était du buzz. Mais là, on commence à comprendre réellement que même à l'époque, ce n'était pas du buzz. Parce que là aussi, on avait vu cette sortie de Matouré contre la jeune fille quand celle-là est venue, au fait, rendre visite à Mansour en Guinée. On a vu ça. Matouré a fait une sortie, en tout cas une sortie fracassante contre cette jeune dame, Sarah Messan, qui est aussi influenceuse. On a vu ça. Mais là, on a compris, parce que quand vous regardez la réaction de Matouré, elle était dans tous ses états, en tout cas contre Mansour. Mais comme ce que je vous ai dit, on ne sait pas aussi ce que le jeune aussi a murmuré dans l'oreille de Matouré. Mais même si c'était le cas, en tout cas, Matouré ne devrait pas du tout proférer des menaces. Par exemple, toi, tu profères des menaces contre une personne et le lendemain, cette personne pique une crise et il meurt. Qu'est-ce que toi, tu vas dire? Tu vas dire que non, moi, je n'ai rien à avoir dedans, même si c'est la volonté de Dieu. Et maintenant, là, maintenant, c'est devenu un problème pour elle. Parce qu'on a vu la sortie de la maman. La maman, en tout cas, qui dit qu'elle confie Matouré, son fils. Matouré n'a pas bien fait. Parce que le mariage, ce n'est pas forcé. Peut-être si Mansour voulait, et maintenant, il a vu que peut-être vous n'êtes pas bien ensemble, et il a décidé de t'ignorer. Alors, Matouré, toi aussi, comme surtout tu es habitué au blanc, en tout cas pour moi, cherche un blanc et tu fais ta petite vie avec cette personne et ne force rien. Mais si déjà tu as proféré des menaces contre le jeune, là maintenant, au fait, tu as mis une corde sur ton cou. Toi-même, tu sais ça. Vraiment, cette sortie, c'était une mauvaise, comme tu as même l'habitude à le faire. Cette sortie aussi, c'est autre chose. Alors, moi, ce que j'ai à te recommander, en tout cas, c'est d'essayer de te réconcilier avec Mansour, en tout cas, d'être encore des bons amis, même s'il n'y a pas le mariage entre vous, mais essayer, en tout cas, de mettre de l'eau sur ce feu. Parce que tu as allumé un feu, il faut essayer de l'éteindre. Moi, c'est le seul conseil que j'ai à te donner. Il faut essayer d'éteindre le feu que tu viens d'allumer. Alors la famille, c'était ça l'actualité. Et l'actualité qui vient juste de tomber, cette sortie de la maman de Mansour pour répondre à Matouré et puis prévenir cette dernière qui a proféré des menaces contre son fils et aussi de la confier son fils au cas où quelque chose l'arriverait. Alors partagez cette vidéo au maximum, la famille. On se reprend encore pour une nouvelle autre vidéo.